La mer. La mer. Sur cette carte du monde appelée planisphère, tu peux voir que la Terre est surtout recouverte d'eau. Il y a les océans immenses et les mers plus petites. Certaines sont fermées, ce sont des sortes de grands lacs salés. Océan Pacifique, océan Atlantique, océan glacial Arctique, océan Antarctique, océan Indien, océan Pacifique. Mer de Bering, mer des Caraïbes, Manche, mer Méditerranée, mer Noire, mer Caspienne, mer Rouge, mer d'Oman, mer de Bering, mer de corail. Le Pacifique est l'océan le plus vaste. Au sud se trouvent des centaines de petites îles baignées par des eaux transparentes et chaudes. Leur sable blanc est fait de poussière, de coquillages et de débris de minuscules animaux marins, les coraux. L'océan Arctique, près du pôle Nord, est le plus froid. L'eau gèle, elle forme une épaisse couche de glace, la banquise, qui s'agrandit l'hiver, puis fend en partie en été. As-tu déjà goûté l'eau de mer? Depuis des milliards d'années, les fleuves y apportent des petits éléments contenant du sel. C'est pour cela qu'elle est salée. Dans les marais salants, le soleil et le vent font évaporer l'eau. Il reste le sel que l'on récolte pour la cuisine. Allons voir sous l'eau. À partir de la plage où tu te baignes, le sol descend en pente douce. Soudain, une falaise plonge à pic. Le fond de la mer est une immense plaine avec des montagnes et des volcans. Pour étudier les grands fonds, on utilise un petit sous-marin très résistant, le bathyscaphe. Mais qu'y a-t-il dans les abysses? Il fait tout noir et très froid. Des poissons un peu effrayants vivent ici. Certains possèdent une lumière. Elle leur sert à attirer les autres poissons pour les manger. On connaît plus de 270 000 animaux marins différents. Reconnais-tu ceci? La plupart vivent près de la surface le long des côtes, mais se cachent à l'eau qui chasse un calmar géant plonge très profond. À marée basse, tu peux observer des coquillages et des crustacés. Les patelles et les moules se collent aux rochers. Les crabes et les crevettes se réfugient dans les flaques. Tous attendent le retour de la marée haute. Depuis toujours, les hommes s'installent près de la mer pour vivre de la pêche. C'est dans l'océan Atlantique que l'on attrape le plus de poissons. Les chalutiers sortent du port quand la mer est haute. Ils partent au large jeter leurs filets. C'est aussi par la mer que l'on transporte le plus de marchandises. Dans le port de commerce, les gigantesques cargos chargent et déchargent leurs livraisons. Ce navire emmène des centaines de passagers pour une croisière. Ils feront du tourisme lors des escales du bateau. La mer n'est pas toujours calme. Quand les vents soufflent fort et longtemps, ils donnent naissance à des vagues hautes comme des immeubles. Avis de tempête! Ce remorqueur va au secours des bateaux en détresse. Il sort par tous les temps. Les océans et les mers sont précieux, mais aujourd'hui, ils sont en danger.
Beaucoup de déchets y sont rejetés. Parfois, un pétrolier coule. Le pétrole se répand dans la mer, causant une marée noire qui tue les plantes et les animaux. Toi aussi, tu peux aider à protéger la mer en gardant les plages propres, en évitant de cueillir les plantes des dunes. Et si tu captures des poissons et des crustacés, relâche-les après les avoir observés. Et fin.